même plus d'une. Le papier mentionne le nom du motel au cas où vous auriez envie de demander à des amis de venir vous rejoindre. Pour aucune n'est louée. Et les... Prends un dîner très simple. C'est la paire de lait et des sandwichs au jambon. Maman, enfin, ma mère est... Oh, tue-toi, tue-toi! Je crois qu'il n'y a que les oiseaux qui supportent les trempaillés. Parce que, même vivants, ils ont un côté passif. C'est un passe-temps. Beaucoup plus qu'un passe-temps. Étrange. Et aussi peu commun. Je le crois volontiers. Si quelqu'un avait osé me parler de la façon dont votre mère vous a parlé... Très franchement, lorsqu'elle me parle sur ce ton, j'ai envie de retourner à la maison. De lui dire que je la hais. Je n'ai rien contre elle. Rien pour toujours. Aucune haine. Et en tout cas de la défier. Je hais seulement ce qu'elle est devenue. Pourquoi ne pas la mettre... Dans une maison de fous? Quelque part. Vous voulez dire dans un asile? C'est ça, hein? Quelque part. Une maison de ce genre. Êtes-vous jamais entré dans un regard cruel? Ma mère là-dedans? Ce serait froid et humide comme une tombe. Oh, mais elle serait sans défense. Norman Bates a perdu sa mère. Elle repose dans le cimetière de Green Lawn depuis 10 ans. L'atmosphère du samedi soir est souvent très lourde. Si la vieille femme de la fenêtre est Madame Bates, j'aimerais bien qu'on me dise qui est enterré au cimetière. Madame Bates. Norman Bates a cessé d'exister. Aujourd'hui, l'autre moitié l'a dévoré. Avez-vous eu dans la région des 4 disparitions qui n'ont jamais été résolues? Oui. 2. Les jeunes filles. Aurait-il avoué que... Non, pas lui. Sa mère. Mais sa mère est probablement le plus effroyable des... Il a donc voulu effacer son... Pour son esprit tout au monde. Alors il a parlé et pensé pour lui. Il lui a fait don de la moitié de sa propre vie. Et il a assumé très vite les 2 personnalités et tenu des conversations. Il a toujours eu un mauvais... J'espère qu'ils me surveillent. Ils verront. Ils verront et ils comprendront. Et ils diront... Elle n'aurait pas fait de mal à une mouche.